Tipa, agent humanitaire a cherché joindre bout de choléra. Dans centre la soignage choléra, Médecins sans frontières mettait campé dans Matissan. Quantité malade choléra yo recevoir dernier jour ça yo continue à baisser. Dans quelques hôpitaux, nous recevons très peu de patients. Il y a l'hôpital, nous pas de patients du tout. Il y a l'hôpital qui a une petite quantité de monde très faible qui vient la donne. Ou imaginez, il y a l'hôpital qui a recevoir 500, 600 monde par jour. Kounia qui vient au niveau de la recevoir 5 monde, 10 monde, ça vient faire une grosse différence. Ça vient faire que Médecins sans frontières, comme organisation d'urgence, lui fait des passations à l'autre structure qui est sous place et qui paraît pour bâtir réponse à eux dans une situation qui est anti-endémique, côté qui pas gagné en pile monde qui a venu. Dans cet essai Matissan, Médecins sans frontières a été emparé tout ça qui est nécessaire pour faire face carré à choléra dans la zone. La choléra diminue. Mais coordination humanitaire Nations Unies a veillé. On va voir des flambées. Pendant une inondation, quoi que ce soit, si les conditions sanitaires ne sont pas bonnes. Mais il y a un système d'alerte. Nous avons tous les équipements dont il faut ici dans le pays. Et c'est surtout maintenant de nous assurer que le personnel de gestion, de traitement, sont bien formés et sont suffisants, que le ministère a les ressources. Ça gagne 6 mois depuis qu'on découvre le choléra dans le pays. Jusqu'à aujourd'hui, Médecins sans frontières guérit 125 000 personnes qui ont attrapé la bactérie. Sous 70 centres de choléra, ils ont été campés dans tout le pays. C'est seulement une dizaine qui peut faire n'importe quoi.